Hier, on était bien frappés. Les maudits. Moi, je veux savoir pourquoi hier les Ivoiriens ont attaqué les Camerounais. Parce que l'Égypte, il a gagné, les Camerounais. Parce que hier, tout le monde est sorti, ouais, Égypte, Égypte, Égypte. On est tous des Africains. Gagner Cameroun, c'est bon. Gagner Égypte, c'est bon. Gagner Côte d'Ivoire, c'est bon. Hier, on était bien frappés. Ouais. J'étais contente. Ouais. Si ils avaient supporté, on les a supportés. Ils n'ont pas supporté. Donc, on ne peut pas les supporter. C'est impossible. Ouais. Hier, là, j'ai crié jusqu'à ce que Côte d'Ivoire. Ouais. On était bien frappés. Même matin, je n'ai pas de ça encore. Les maudits. Moi-même, là, il y a un côté égyptien. Il m'appelle Jabez Izo. Je suis très content que l'Égypte ait remporté ce match. Égypte-Sénégal. Il y a aussi un côté sénégalais. Il m'appelle Pape Mané. Donc, il a supporté Sénégal là. C'est vrai que le match était très 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 difficile. Mais le Cameroun, vraiment, ils ont joué le ballon. Voilà, vis-à-vis à l'équipe de l'Égypte. Mais le malheureux incident qui s'est passé, je souhaiterais que le Cameroun, c'est un pays frère. Voilà, que nous soyons fair play et que nous laissons les incidents, les émotions et puis avançons pour l'Afrique. Les Camerounais, mais c'est les maudits d'abord même. Les Camerounais, mais n'ont pas bon esprit. Les Maoriens ont marché sur notre drapeau. L'homme qui n'est pas prêt pour la Côte d'Ivoire, non, n'est pas prêt pour eux aussi. Voilà. Les Camerounais doivent demander pardon à les Ivoiriens parce que ce qu'ils ont fait de 1 là, c'est pas normal. Marcher sur un drapeau de Côte d'Ivoire, c'est pas normal de 1. Nous là, on ne peut jamais marcher sur le drapeau de Cameroun quoi. Dieu a fait nos palabres, Dieu a fait palabres de tout le monde entier. Dieu a fait palabres des Comores, Dieu a fait palabres des Burkinabés. Les trois pénalty ratés, il y a un pour Côte d'Ivoire, un pour Comores, un pour Burkinabé. Bah, moi, hier, là, c'est seulement dit, moi, Cameroun sorti, moi, ça m'a arrangé, mais je suis bien content même. Bah, c'est tout ce qu'ils ont fait là, ils ont mal volé. Maintenant, on croise l'Égypte maintenant contre le Sénégal. Là, ici, l'Égypte a pris que plus aussi, c'est bon. Si le Sénégal a pris le plus, c'est bon. J'ai trouvé les matchs, vraiment, moi-même, j'étais content même. Parce que là, les Camerounais, vraiment, ils avaient trop foutaise, quoi. Voilà, donc, la victoire d'Égypte, vraiment, c'était une victoire vraiment méritée. On va regarder les matchs Cameroun-Algérie. Donc, cette fois-ci, encore, c'est Algérie, victoire d'Algérie ou rien. Les Camerounais, c'était le marmailleur. Ils ont voulu marmailler le match pour pouvoir prendre la coupe, mais ça n'a pas été. Dieu a tout gâté. Hier, j'ai dansé avec une femme même. Bakolo. On a bien dansé ça. En tout cas, on était très contents. Mais rendez-vous 2023 à Saint-Cotoco, acte 2, en Côte d'Ivoire. Ça va chauffer. Mon souhait était de voir les Camerounais aussi en larmes pour voir ce que ça donne au fait. Voilà, sinon, il n'y a rien de sinon, temps normal. Nous, on n'a pas de problème avec les Camerounais. On n'a pas de problème avec eux, mais ce qu'ils nous ont fait là, quelque part, ça nous a touchés. Donc pour nous, c'est Dieu qui a fait nos palabres. Je dormais même à peine. Mais quand j'ai su que l'Égypte était en pénalty avec le Cameroun, je me suis réveillée d'un coup, comme si on m'annonçait que j'avais gagné 1 million. Franchement, j'étais dans la joie. Parce que les Camerounais nous ont humiliés. Qui dit sur les réseaux sociaux, qui dit partout. On dit, donne à César ce qui appartient à César. On a rendu ça. Deuxième Côte d'Ivoire a gagné hier. Yeah.